Paprika. Maître Paul Yomba, bonsoir. Bonsoir. Vous sortez de la deuxième audience concernant votre client et la cellule d'Alain Diallo. Vous étiez convié aujourd'hui devant le juge des référés. Qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui encore? Oui, nous sortons effectivement du sanctuaire, nous sortons du tabernacle, de l'auditorium, du temple dit de Ténis, où nous avons rencontré le juge des référés, qui à nos yeux apparaissait comme un souverain sacrificateur, imbu de l'onction de loyauté, de droiture, de justice, toutes choses qui nous font fonder que la décision à intervenir sera revêtue des vertus qui la caractérisent et que nous avons vantées. Nous sommes venus dire au juge, ou tout au moins faire empêcher les effets pervers, dégradants, les effets humiliants, les effets dévastateurs d'un courrier, sommation, faite par un justiciable, état soit-il, à l'endroit d'un autre justiciable et qui, à nos yeux, et comme déjà ça, cela est de visu, n'est pas un titre exécutoire. Ce n'est même pas une décision administrative, ce n'est pas, à nos yeux, un acte administratif, c'est... qu'il somme M. Cellou d'Alain Diallo de quitter sans désemparer automatiquement, sans délai raisonnable d'ailleurs, pourquoi le délai ? De libérer un domicile qu'il a acquis de droit, qu'il a habité sous les regards des différents régimes qui se sont succédés de façon publique, paisible, continue, sans équivoque et en tant que propriétaire nanti de toute la documentation de l'État et jusqu'au plafonnement de l'acte de propriété, c'est-à-dire le titre foncier. Qu'on vienne donc à l'expulser manu militari par le biais d'un simple courrier qui d'ailleurs... lui demande de quitter pour l'assainissement du fichier et le recensement des lieux. C'est trop dire, puisque l'on n'a pas besoin de faire quitter un occupant pour le simple fin de recensement. Dès lors que le bien même a été déjà aliéné, nous avons été surpris que l'État ait encore en sa possession le numéro d'immatriculation ou de recensement dans ces registres du même document, ce qui revient à dire que l'État a commis à l'égard de M. Cellou d'Alain Diallo du dol, de la tromperie provoquée, opère par le biais de la spoliation. Nous avons donc demandé au juge des référés de faire cesser... les troubles résultant de l'exécution de ce courrier, que l'État n'avait pas à rougir d'attendre que cette contestation soit connue par le juge de fond à la suite d'un débat contradictoire où les parties exposeront leurs prétentions respectives et qu'une juridiction compétente se prononce sur la question et attribue la propriété à qui de droit, auquel cas nous serons d'accord si nous venions à être déboutés. Mais que l'État cesse de se prévaloir de ses privilèges d'action d'office et de décision exécutoire, de l'argument de la force au détriment de la force de l'argument, pour brimer le citoyen, que si l'État est une puissance, il la tient du peuple, il la tient du citoyen, et que le droit de propriété est inaliénable, il est consacré par notre législation,
par les chartes et conventions au point qu'il ne peut être atteint de quelque manière que ce soit. Maître Paul Yomba, de l'audience d'aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a filtré de l'audience d'aujourd'hui? Oui, ce que je viens de dire a filtré. Et de l'autre côté, nous avons entendu un autre son de cloche. L'État n'a pas voulu se prêter à la contestation. L'État n'a pas voulu se prêter au contradictoire, au débat. L'État sait que l'acte émis n'a pas de sens. Est complètement désarticulé dans tous ces termes. L'État est venu plutôt suggérer au juge, supplier le juge de se déclarer incompétent au profit de la Cour, de la Chambre administrative de la Cour suprême, au motif que l'acte émis serait un acte administratif, alors que nous sommes devant un juge des référés avec compétences larges, étendues et compétent en toute matière. La loi régissant sa compétence, d'ailleurs, a été évoquée et nous sommes dans un contentieux, nous sommes dans un litige de plein contentieux. La propriété, le droit du citoyen est brimé. Nous avons donc évoqué plusieurs dispositions de la loi qui fonde Madame le juge des référés à connaître effectivement de cette cause et à constater que l'État lui-même esquive la question, que la transition ne doit pas être un biais à la violation des droits et libertés fondamentales, des droits et libertés fondamentaux des citoyens, que il revient donc au juge d'atténuer la rigueur, la fureur, la violence des autorités et que seul le juge peut à ce jour les braver. Et nous avons demandé donc au juge de servir de jurisprudence, de rentrer par la grande porte dans l'histoire et que les générations à venir disent que même sous les armes, même braqués, il y a eu un magistrat, une femme qui a dit le droit, qui a délivré toute une nation et nous n'avons pas manqué de dire que toute l'opinion publique nationale, internationale, tous les défenseurs des droits de l'homme, tous les grands juristes avaient les regards rivés sur elle et sur la décision à intervenir afin d'éviter les abus, les excès de nos nouvelles autorités qui, à notre avis, sont en train de fouler aux pieds tous les travaux effectués par l'administration ancienne, par l'Assemblée nationale, et qui ne serviraient à rien d'avoir renversé un régime si ça se comportait de la sorte. La décision du juge. La décision du juge. La décision à intervenir sera pour le lundi 28 à 10h. 8h. À 8h, pardon. À 8h. Ah oui, oui. À 8h. Merci, maître. Merci, maître. Non, c'est à 8h. À 8h. Elle est devant toutes 5 minutes. Non, c'est à 8h. À 8h. À 8h, nous aurons. Justice! 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 Justice!